Je vous assure que attention. Être sur scène et parler devant autant de monde, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça qu'elle avait un peu de presse. Je demande au jury aussi de ne pas tenir compte de ça, mais plutôt de tenir compte de la prestance globale. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler la Miss numéro 4, s'il te plaît. Merci. Peto, sa grande joie. On est là pour voir un grand jour de chantier. Merci, merci. Alors, c'était la Miss numéro 4. J'ai perdu le fil, excusez-moi. Alors, nous sommes à notre Miss numéro 5. Elle va venir se présenter à vous. Bonjour tout le monde, je suis Amélie, je suis très heureuse d'être présente parmi vous aujourd'hui et de me présenter en tant que candidate à Miss Monde 2023. Je voudrais remercier toutes les personnes présentes ici, notamment les jurys qui se sont déplacées, j'imagine de loin également pour certains. Ma famille qui est présente également dans cette salle, qui sont venus me soutenir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la Miss numéro 6. Je vous prie d'applaudir très très fort. Que les mises se tiennent bien le micro plus près de leur bouche parce qu'on me fait signe qu'au fond ils n'entendent pas très bien. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravie d'être avec vous tous ce soir et de participer au concours de Miss aussi. Kulumbehu Mélanie, Pacha Senya, Kumwa Kalishon, Kuyu Tienya Halu Shampo Kampres, Kunye Tekuti Yangwa Luya. J'ai en ma possession un bac esthétique et toujours à la recherche d'une opportunité d'emploi dans ce domaine car j'adore prendre soin des autres. Mais actuellement, aujourd'hui, je travaille en pharmacie et c'est ainsi la vie active. Kumwa entre nous, des parents bien sûr, des grands-parents, des tontons, des tatas, des cousins, des cousines, des neveux et des nièces, comme la plupart des monde de ce soir, et qui sont tous très adorables. Mon nom, Yokoto Asenkoan Sakanchoa, Yavitea, c'est un rêve de petite fille, et c'est aussi l'opportunité pour moi de tester mes capacités, car à la base je suis une personne très timide. Tachitetea, c'est que toute ma famille m'a poussée à y participer et m'encourage, donc je les remercie infiniment. Je tiens. Merci. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier mon sponsor Continent d'Asie qui m'ont sponsorisé pour ce soir, pour ce concours de Miss. Donc merci encore à vous. Je tiens aussi à remercier l'association Mong Avenir d'avoir organisé ce très beau nouvel an et d'avoir aussi organisé le concours de Miss. Donc merci à vous. Merci de votre soutien. Enfin, si vous souhaitez me connaître davantage, votez pour moi. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est notre Miss numéro 7.
Merci. Son nom, s'il te plaît, tu peux venir me voir. Merci beaucoup. Merci. Applaudissez-la. C'était la numéro 7, notre Miss numéro 7. Alors, tout de suite, c'est la Miss numéro 8. Petun Sangon Joan Obayi. Boate no Jojo no Tia. Je suis en terminale et je souhaite devenir intervenante plus tard. Et surtout, je remercie l'association Mont à venir d'avoir organisé ce concours Miss Monde. Merci. Au revoir. J'allais te dire de parler un peu plus fort parce que je crois que les personnes dans le fond ne t'ont pas entendu. Mais bon, merci beaucoup. Merci, c'était Mali, c'est ça? Et de mettre le micro près de la bouche. Voilà, merci. Ah non, c'était Ayolia, je me trompe. Alors, applaudissez très très fort pour la Miss numéro 9, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Yon Serena, j'ai 16 ans, je viens du centre-val du Loir vers Orléans. Je suis en bac professionnel en deuxième année au lycée, en accompagnement soins services à la personne. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et je vous remercie d'être venus pour assister au concours Miss Monk. Au Chandao. Merci beaucoup. Merci. C'est la Miss numéro 10. Béton Tango John Boko. Bonsoir, bien Jean. Je m'appelle Chua Chia. Chia. Je viens d'Avignon. Je suis actuellement en études supérieures à Montpellier. Je fais un BTS gestion de la petite et moyenne entreprise en alternance. Je travaille dans une entreprise de diagnostic de bâtiments. J'occupe un poste d'assistance administrative. J'occupe du recouvrement, j'occupe du suivi de production. Ça fait déjà 2 ans que je suis partie de chez moi. J'ai pris mes ailes, comme je dirais. Et je vous avoue que c'était difficile, mais j'ai pu le faire. Car aujourd'hui, on a besoin d'être indépendant, de savoir être grande toute seule. Mes parents sont Monsieur Cha Tsongka et ma mère, Madame Li Meiqi. J'ai 20 ans, je suis super honorée d'être parmi vous. Ça fait mal aux oreilles, je suis désolée. J'espère que vous profiterez bien de la soirée. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci. Et donc maintenant la Miss numéro 11. Je m'appelle Finta Saliba, j'ai 18 ans et j'habite à Chaponneau. Je suis actuellement au lycée terminal Marc Chabrière et j'aime énormément le sport. Je pratique du grappling, je vais à la salle et je fais de la boxe. Mais à part ça, j'aime énormément l'univers de l'art. C'est pourquoi plus tard, j'aimerais utiliser ma créativité pour créer des choses innovantes, c'est-à-dire
vais être architecte, paysagiste et urbaniste. J'ai décidé de participer à ce concours pour représenter tous les jeunes filles de la nouvelle génération du monde et laotienne, car ma mère est une Hmong Lao et mon père laotien. Donc je suis une métissée Hmong et laotienne et j'ai grandi avec ces deux coutumes et ces deux origines et je suis très fière de l'être d'ailleurs. Mis à part ça, je voudrais remercier à tout le monde d'être venu ce soir profiter une nouvelle année 2023 ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, nous allons maintenant donner en cueillir la miss numéro 12 pour son discours. Merci. La miss numéro 12, merci. Alors bonjour, bonsoir à tous, excusez-moi. Alors moi je m'appelle Lotricia, j'ai 19 ans et je suis en licence en biologie. J'ai de nombreux passe-temps comme la danse ou alors à mes heures perdues je suis le mannequin amateur de My Dress Code qui est ma mère. Donc, si aujourd'hui je me présente devant vous, c'est en tant que membre et en tant que danseuse de l'association donc de Rio La Pape. En effet, mes grands-parents étaient les fondateurs de cette association, ce qui nous a permis à nous, la troisième génération, de grandir dans les traditions, la culture et les valeurs des Hmong. C'est les trois choses, donc les valeurs qui me permettent de me définir en tant que femme aujourd'hui et jour après jour, les traditions qui me permettent de savoir où sont mes racines, où est-ce que je vais. Et une culture magnifique avec beaucoup de parcours pour nos familles et nos grands-parents surtout. Donc moi je suis pas une fille très extraordinaire, je suis pas la plus belle, je suis une fille simple d'esprit, mais tout ce que je sais c'est que moi je vous aime tous, même si je vous connais pas tous, j'aime toute ma communauté et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année et à vous aussi les jurys, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne année. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc nous accueillons la miss numéro 13. La miss numéro 13, merci beaucoup. Je viens de Nîmes mais je suis actuellement esthéticienne en tant que prothésiste angulaire. Je travaille actuellement dans le but d'ouvrir mon institut de beauté et vivre pleinement de ma passion. Je remercie Hmong Avenir d'avoir organisé ce concours de Miss Hmong 2023 et aussi ma famille de m'avoir encouragée jusqu'au bout. Je remercie notamment ma mère Earl Gao Chen de m'avoir sponsorisé tous mes vêtements pour ce défilé et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup. Et maintenant, la Miss numéro 14. La Miss numéro 14, merci. Bonjour, coucou Maïli, pardonnez. Pour moi, Kao Chachion. Mon père est Bardone Gaël et ma mère est Likia, je viens de Nîmes. Je suis actuellement en terminale générale scientifique, en quête l'année prochaine d'entrée à la faculté de médecine de Montpellier pour devenir plus tard chirurgienne dentiste. Alors je suis ici ce soir pour concourir au concours de Miss Hmong 2023. En conséquence, je remercie énormément l'association Hmong Avenir qui me permet d'être ici ce soir. Et je remercie par ailleurs Earl Gao Chen qui me sponsorise mes robes de ce soir. Alors j'espère que vous passerez tous et toutes un bon moment et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir, ciao. Merci beaucoup. Donc, elle est sponsorisée par Gao Chen, qui a le stand numéro 1 au début là-bas. Donc si vous aimez les tenues, eh bien, c'est l'occasion. Et donc la miss numéro 15, merci beaucoup. Je suis actuellement en première année d'études de commerce afin d'intégrer plus tard le service maritime. Je tiens ce soir à remercier l'association Hmong Avenir qui m'a permis d'être ici, ainsi qu'Earl Gao Chen qui a sponsorisé mes tenues de ce soir. Suite à ces mots, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Merci beaucoup.